Bonjour chers amis, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire face positivement à la montée des prix que connaît le monde depuis 2023. Lorsque nous allons dans les magasins, nous pouvons constater des augmentations de prix. Je rigole parce que je sais ce que je vais vous dire. Donc nous constatons des prix allant d'une moyenne entre 10 à 20%, pour être honnête. Il n'est pas possible de faire baisser les prix à notre petit niveau de consommateur, mais il est possible d'agir autrement. La situation nous l'oblige en fait. La question à se poser, lorsque vous allez dans un magasin, quand vous voulez acheter un produit, c'est est-ce que ce produit est utile? Et deuxième question, est-ce que j'ai besoin de ce produit? Ainsi, vous allez éliminer 20 à 30% de vos achats en répondant sérieusement à ces deux questions. Je m'explique. Sur la première question, est-ce que le produit est utile? Répondez par oui ou par non. Premier cas de figure, est-il utile d'acheter un kilo de poisson alors que vous vivez seul et que vous refusez à congeler le poisson pour le consommer plus tard? Réponse, non. Deuxième question, allez, est-ce qu'acheter un stock de piles très important alors que vous savez que les piles se déchargent, même neuves, au fil du temps, et ce même dans leur emballage de vente, leur emballage d'origine, est utile? Réponse, non, selon moi. Enfin, une autre question concernant l'utilité. Est-ce qu'il est utile d'acheter en vrac des denrées périssables afin de se rapprocher au mieux de son niveau de consommation réel? Réponse, oui, avec son petit taxi jaune et rouge. Donc deuxième question abordée, chers amis, est-ce que j'ai vraiment besoin du produit? Donc je parle de produit, mais c'est valable aussi pour les services. Donc je vous donne trois autres exemples. Première question, est-ce que j'ai besoin d'acheter une robe à mon chien? Réponse, non. Ai-je besoin d'une 33e paire de chaussures alors que j'en ai déjà 32 et que vous ne portez que deux paires quotidiennement? En réponse, bien évidemment que non. Je vais vous donner un autre exemple, je vais être plus radical cette fois-ci. Avez-vous besoin de passer dans le rayon des confiseries alors que vous savez que consommer ces produits de façon répétée nuit à votre santé et à votre budget pour le coup? Réponse, non, sauf à vouloir faire péter votre taux de sucre dans le sang et à vouloir casser l'ennui et satisfaire votre petit ego de gourmandise. Voilà, chers amis, je vous donne aussi des astuces bonus pour aller jusqu'à 50% d'économie sur vos courses régulières. Donc le premier bonus, faites vous-même au lieu d'acheter des plats préparés chimiques. C'est tout simple, tout le monde le sait. Deuxième bonus, regardez le prix au kilo de ce que vous achetez et comparez les prix au kilo pour le même type de produit. Troisième bonus, ne prenez jamais de carte crédit revolving que les magasins vous proposent, car cela vous incite cruellement à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin et qui ne sont pas utiles. C'est souvent des conneries en fait. Quatrième bonus, faites votre budget mensuel et notez le montant total possible à dépenser chaque semaine aux courses. Et ne dépassez jamais ce montant. Dernier bonus, allez, vous êtes sympathique. Ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps, ne faites pas de courses et forcez-vous à manger ce qu'il y a dans vos placards. Et vous allez être vraiment stupéfait de découvrir des produits dont vous ne soupçonniez même plus l'existence. Et vous allez apprendre aussi à savourer les restes de nourriture. Et sachez que c'est très jouissif de se mettre dans cet état où vous glorifiez le peu qu'il vous reste finalement. C'est comme pour les repas du lendemain dans les mariages. On apprécie vraiment les restes, car cela nous rappelle la veille et ses bons souvenirs. Chers amis, à nouveau, merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo. Même pour regarder une vidéo, ayez le réflexe, dites-vous, avant, est-ce que vous en avez vraiment besoin et est-ce que c'est vraiment utile? Si c'est non, arrêtez tout de suite. Si c'est oui, bah, à tout de suite, chers amis. Voilà, mais ce qui compte, c'est de mettre en application ce que je vous dis. Un minimum, c'est mieux quand même. Voilà, pour vivre toujours heureux et passionné à vie. Et ce bel étang derrière moi qui me donne envie de plonger dedans. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.